Chorges, en Occitan alpin, Chourjas, est une commune française, située dans le département des Hautes-Alpes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés les Caturiges. La commune est arrosée par plusieurs torrents qui coulent du nord au sud, le long des pentes du Pioli, des Parias et du pic de Chabrière, et se dirige vers la vallée de la Durance. À l'ouest, le torrent des Réalons et le torrent du Dévezé, ce dernier suivant la limite entre les communes de Chorges et de la Bâtie-Neuve, se jette dans l'Avance, qui prend sa source tout près de la ville de Chorges et s'éloigne vers le sud-ouest. Au centre, le torrent des Moulettes, dont le cours inférieur est noyé sous les eaux du lac de Serponçon, baie des Moulettes, ou de Chanteloube, à l'est, c'est le torrent de Maras qui sépare Chorges de Prunières. Le lac de Serponçon baigne la commune au sud-est sur plusieurs kilomètres, selon un profil très découpé dans un relief relativement accusé. Toute la baie des Moulettes, ou de Chanteloube, ainsi que la moitié de la baie Saint-Michel, dépendent de la commune de Chorges. Le nom de la localité est cité sous la forme Caturigue Magus. Ce toponyme est, sans contestation possible, d'origine celtique. Des racines gauloises, cat, catu, combat, avec ri, rigo, roi, et mag, plaine, champ ou marché, signifiant le champ de combat du roi, des Caturiges. Les Caturigues se battent dans tous les passages des montagnes contre les armées de Jules César. Le petit peuple de la vallée de la Durance, près d'Embrun, est appelé Caturiges par César. Dans le De Bello Gallico, les Caturiges sont cités sur l'arbre de triomphe de Suse. Vaincu, le village gaulois appelé aujourd'hui Chorges est une cité, appelée Civi Catur sur un monument élevé par Néron à Chorges, abréviation de Civita Caturigue Magus, cité des Caturiges. Selon Pline, les Caturigues jouissent des privilèges latins, ce qui n'est pas le cas de la plupart des Gallo-Romains. La cité gallo-romaine est, au IVe siècle, la capitale du Pagus Rigomagensi de la Notitia Galliarum, fait partie de la province des Alpes-Maritimes. Le vicus celte de Caturigue Magus a été élevé au rang de cité en 450. La civita de Chorges devait englober la vallée de l'Ubaye. Chorges devient alors la capitale d'un évêché dépendant de l'archidiocèse d'Embrun, supprimé à l'époque de l'installation des Burgondes, vers 480, mais une bulle du pape Victor II, à l'archevêque d'Embrun, datée de 1057, cite encore l'évêché de Rigomagensium. L'ancienne voie romaine, et le marché Vicus, ou Mago, se trouvait autrefois au nord de l'agglomération actuelle, sur le plateau. Les actes de l'évêque métropolitain d'Embrun, Saint Pelade, nous apprennent qu'il est venu à Chorges en 514 pour inaugurer un nouveau templum. Aux XIe et XIIe siècles, l'Embrunais dépend d'un administrateur. Chorges est indépendant d'Embrun et possède sa châtellenie et son tribunal ou cour commune. La bourgade est détruite avant 1077 par une guerre, selon Joseph Roman. Mais l'acte qui parle de la reconstruction, qui va durer un siècle, veut peut-être parler de ruines datant des guerres contre les Sarrasins. Entre 1080 et 1083, Chorges est le centre d'un conflit opposant les moines de Sainte-Marie-Saint-Victor, dépendants de l'abbaye Saint-Victor, de Marseille, et les chevaliers qui leur disputent des terres. Les événements nous sont rapportés par les cartulaires de Saint-Victor de Marseille, et ont fait l'objet d'un réexamen récent par Florian Mazel. Le 23 juin 1585, le duc de Mesdiguières prend la ville. Chorges est initialement choisi comme siège du chef-lieu du département des Hautes-Alpes, 1790, avant qu'il ne soit transféré à Gap. L'église paroissiale Saint-Victor a gardé quelques survivances romanes après les restructurations intervenues au début du XVIIe siècle. Monument historique classé en 1862, datant du XIIe siècle, elle fut construite de 1121 à 1124 par les religieux de Saint-Victor de Marseille. Elle eut à subir bien des vicissitudes et fut pillée en 1517 par les mercenaires de François Ier, saccagée par les protestants de Louis M en 1569, occupée par les Lesdiguières en 1585. Un violent incendie ravagea le monument en 1586. Lors du siège de Chorges par Bernard de Nogaret, épernon de la Valette, contre les protestants. En 1692, les troupes du duc de Savoie lui font subir le même sort. Réincendiée par le comte Victor Amédée de Savoie en 1699. Elle est choisie après la Révolution, pour réunir les 226 électeurs siégeant pour cette première assemblée départementale, du 4 au 15 juillet 1790 pour former le département.
ils choisirent Gap comme chef-lieu. Elle est classée sur la liste des monuments historiques en 1862. Saint-Victor est de style composite, constitué d'une nef rectangulaire de deux travées assez massives, qui précèdent un chœur plus bas que le reste de l'édifice. L'ensemble des travées de la nef est voûté d'une anse de panier très irrégulière, qui remplace probablement une couverture charpentée. Sur la façade méridionale, deux des trois anciennes baies romanes en plein cintre, très hautes, ont été maintenues. Dans la première travée, un pilier qui ne paraît pas antérieur au XIVe siècle soutient la tribune. On y reconnaît des motifs géométriques, triangles, cercles, et une roue à 8 branches, tandis que sur le bénitier sont représentées des coquilles Saint-Jacques. À l'extérieur, l'abside pentagonale retient l'attention par sa forme assez inhabituelle. Bien qu'elle paraisse assez remaniée, son style reste roman. La façade méridionale garde également quelques marques de son appareil roman d'origine, malgré l'emploi de moellons de facture assez composite. La couleur rougeâtre indique la trace des incendies. On y distingue des traces d'arcs, et de nombreux coups de sabre qui signalent les reprises. Dans l'ensemble, le monument a gardé, surtout au côté méridional, un aspect roman, renforcé par le caractère massif des proportions. Le clocher prend appui sur le côté nord. Les deux étages supérieurs sont délimités entre eux par un cordon. Unique à l'étage inférieur, les fenêtres sont géminées au-dessus. L'utilisation d'enroulements dans les colonnettes du clocher reste un usage archaïque. L'accès sur le côté gauche se compose d'une porte avec arc en plein cintre à tors, qu'accompagne des colonnettes en retrait, dont les chapiteaux offrent un décor de type traditionnel, crochet, feuilles, écussons, anges, animaux, plus tardifs que l'ensemble du monument. Dans ce portail, l'emploi d'un trumeau central, exceptionnel dans le département, montre des tentatives d'innovation et l'application d'influences extérieures. Mes sources, Wikipédia.